Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien pour vous. Donc, c'est une guidance générale comme d'habitude. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. C'est une guidance où on va parler d'amour, on va parler de vous et de votre partenaire, de votre autre. Donc, le partenaire, je le rappelle, ça peut être votre mari, votre femme, votre amoureux, votre amoureuse, mais c'est également aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir le signe de la personne que vous aimez pour pouvoir croiser les informations. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite, on va découvrir les cartes. Alors, la première, ça va être l'énergie de votre relation, ce qui vous assemble aujourd'hui. Ensuite, vous avez vos aspects positifs, les aspects positifs du partenaire, les aspects négatifs qui vous entourent, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, les aspects négatifs du partenaire, ce que vous allez mettre en place, ce que le partenaire va mettre en place. Et on termine avec l'évolution à court terme de la relation. Ok. Ta 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 ta. Une, deux. Il y a deux arcanes majeures. Ok. Ça a pas l'air d'être un mois très impactant pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des choses. C'est comme si vous le saviez déjà. On va détailler tout ça. Allez. Donc, l'énergie de votre relation, vous avez l'impératrice. On ne peut pas avoir meilleure carte qu'une énergie de relation en ayant l'impératrice parce que l'impératrice est représentée par la planète Vénus, la planète de l'amour. Et c'est aussi une énergie de terre qui représente la fertilité. On le voit ici, elle porte le monde en elle. Donc, elle porte la terre, elle porte la vie. Elle est magnifique cette carte. Moi, alors, je pense que je suis face à deux possibilités. Soit on est face à un nouveau couple naissant. C'est pour ça qu'on a cette fertilité du début. Mais un couple naissant, justement, qui va vers un grand amour, un amour authentique, quelque chose de beau, quelque chose qui va vous épanouir. Soit on est face un couple ou en tout cas à deux personnes qui se connaissent depuis longtemps et qui naissent sous un nouveau jour, avec des nouveaux projets. Le couple aussi, les deux personnes, comment dire, ont évolué et se montrent sous un nouveau jour. Il y a une espèce de nouveauté qui se crée ici dans votre relation. Et ça va vous apporter, là on est vraiment dans une période d'évolution pour vous deux, dans une période d'abondance aussi parce que c'est une carte extrêmement positive. Et puis bah, bien évidemment pour certains couples, il peut y avoir un bébé qui va se mettre en route hein, ou la naissance d'un bébé qui arrive prochainement. Et ça va consolider votre couple. Hein. Voilà. Alors, les aspects positifs qu'il vous accompagne, vous, pour cette relation, on a la 6 de coupe. Alors, vous êtes dans une énergie qui est douce, vous êtes dans une énergie de nostalgie même. La 6 de coupe représente notre enfance ou notre enfant intérieur, la façon dont on était avant, la façon dont on aimait avant. Qu'elle soit pure ou non, je ne sais pas, suivant l'enfance que vous avez eue. En tout cas, moi, ça m'indique sur le plan d'une relation, dans les aspects positifs, moi, ça veut dire que pour vous, vous revenez aux fondamentaux. En tout cas, vous avez envie de revenir à ces fondamentaux-là, vous revenez à la simplicité de la vie, vous revenez à votre propre simplicité, vous revenez à la simplicité du couple, vous avez envie de liens authentiques. Qu'il soit dans cette relation, que ce soit dans vos amis, que ce soit dans votre famille, vous avez envie de liens authentiques. C'est aussi la carte des retrouvailles, la 6 de coupe. Donc, peut-être que
vous allez retrouver votre partenaire comme il était avant. Peut-être que votre partenaire va vous retrouver comme vous étiez avant. Ça reste quelque chose de toute façon qui vous unit, même si c'est positif chez vous, ce sera normalement plutôt positif pour le partenaire. Ou alors on a des retrouvailles ici, peut-être deux personnes qui s'étaient perdues de vue, peut-être que vous retrouvez un amour de jeunesse ici, c'est possible. Peut-être que la personne que vous venez de rencontrer va vous apporter peut-être cette sensation d'amour que vous connaissiez déjà, je ne sais pas. Voilà. Mais il y a ce retour en arrière un petit peu de retrouvailles, de liens authentiques. Et c'est une énergie qui nous apporte beaucoup de réconfort. Voilà. Ensuite, les aspects positifs du partenaire. Ce partenaire, cette personne a la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée nous parle d'angoisse, de peur, de nuit sans sommeil, de cauchemar, d'être enfermé dans ses peurs, dans ses angoisses, au niveau du mental. Ça se passe dans notre tête. Bien évidemment, ce n'est pas les aspects positifs. Les aspects positifs, c'est qu'on s'en libère. On se libère de ça. Le partenaire est dans une souffrance psychologique ou mentale depuis peut-être des années. Moi, je partirais peut-être sur 8-9 ans. Et on voit aujourd'hui qu'il va arriver à se raisonner sur ses inquiétudes, sur ses angoisses. C'est vraiment la carte de la rumination et des mauvaises pensées. Donc, c'est vraiment une libération ici. C'est une libération et c'est surtout une maîtrise personnel de ses propres pensées que jusqu'à maintenant cette personne n'arrivait pas à faire. Donc ça c'est extrêmement positif pour le couple et pour la relation puisque quand on est face à quelqu'un qui a peur, qui est dans le doute permanent, alors ça peut être lié à des blessures d'enfance, ça peut être lié à une ancienne relation, ça peut être lié tout simplement à son propre mental, à ses propres expériences personnelles. Et du coup, ça fait quelqu'un qui est pas totalement authentique depuis des années, puisque dicté par des pensées de peur et d'incertitude et de doute, tout le temps, sans arrêt. Donc là, c'est très, très, très bénéfique ici. Allez, ensuite. Ici, c'est les aspects négatifs qui vous empêchent d'avancer, des blocages. Vous avez l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, pour moi, il y a un grand problème d'amour de vous-même. Mais un gros problème. L'as de coupe, c'est la plus belle ouverture de cœur qu'on puisse avoir. Et ça, c'est dans vos aspects de blocage. Donc, on peut dire que c'est un blocage. Il y a un manque de bienveillance envers vous-même. Et moi, j'ai la sensation que du coup, vu qu'on est en miroir dans la relation ici, que ça peut bloquer votre partenaire. Forcément, quand on s'aime pas, même quand peut-être on se déteste, alors ça peut être notre apparence physique, ça peut être notre mental, ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être notre attitude qu'on n'aime pas. Ben voilà, c'est de toute façon, c'est un dénigrement de notre propre personnalité, de notre propre personne. Et du coup, ben, le partenaire, ça l'aide pas à nous aimer forcément. On attire à nous ce que l'on est. Donc, ben, peut-être que ce partenaire, ça le bloque un petit peu et que vous, du coup, vous pouvez le renvoyer inconsciemment à cette personne-là, que vous aimez pas, que vous vous respectez pas. Et ça peut créer des tensions. On ne peut pas apprécier à longueur de journée quelqu'un qui ne s'aime vraiment pas. C'est lourd, c'est impactant, c'est important. Et on ne peut pas demander à la personne en face de nous rassurer tout le temps. C'est pas possible. La personne en face, elle a ses propres problèmes et on le voit bien ici. On le voit bien ici. Donc, attention ici, voilà. Il n'y a pas de méthode miracle. La méthode, ça va être peut-être d'aller vers un développement personnel, peut-être d'apprendre à s'aimer, peut-être d'apprendre à s'accepter, à faire ce cheminement-là, peut-être, alors, si vous le voulez seul ou si vous le voulez accompagné, ça va être le travail de retrouver l'amour de vous-même ici. Voilà. Ensuite, le partenaire, ses aspects, de blocage, ses aspects négatifs, on a le jugement.
Cette personne, elle n'est pas tout à fait prête à une grande évolution personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un refus de pardonner pour l'instant chez cette personne-là. Je dis bien pour l'instant parce que c'est des énergies. Il y en a qui prennent pour argent comptant ce que je leur dis. Non, c'est des énergies, ça bouge sans arrêt. Là, c'est en ce moment. Pour le moment, cette personne, elle refuse de pardonner. Alors, elle refuse de pardonner à quelqu'un, elle refuse de pardonner à une situation, à soi-même. Il y a peut-être... moi, je pense qu'il y a eu un événement chez cette personne. Ça peut être 20 ans de sa vie. Ça peut être 20 ans de sa vie. Il y a eu un événement chez cette personne où ça peut être une blessure d'enfance ou que cette personne n'a pas pu pardonner dans son for intérieur. Et le fait que cette personne n'ait pas pu pardonner cet acte ou cette conversation ou cette situation, ne le rend pas prêt à évoluer davantage pour l'instant. Du coup, ça le bloque dans son avancée, cette personne-là. En même temps, cette personne, elle en est seulement à se libérer de ses peurs et de ses pensées. Donc forcément, au niveau d'une évolution personnelle, spirituelle, ben, elle va être un peu plus en retrait. C'est logique, c'est normal. Donc, d'ailleurs, je comprends mieux les doutes permanents, les peurs, les incertitudes, les blocages, parce que il y a un grand, grand pardon à faire à quelqu'un ou à une situation, et cette personne, pour le moment, n'est pas encore prête. Donc, c'est possible que ça vous bloque un petit peu dans votre couple, parce que vous êtes face à quelqu'un qui peut-être ne vous fait pas absolument confiance. Peut-être que cette personne a un manque de confiance en lui ou en elle aussi également. En tout cas, moi pour moi, cette personne prend le chemin du pardon, mais déjà envers soi-même. Donc là, ça va être intéressant de laisser cette personne faire ce pardon envers soi-même, se libérer de ses peurs, de ses doutes, et après, évidemment, de voir comment ça se passe. Quand est-ce que cette personne sera prête à pardonner ici, dans cette situation-là? Donc le chemin, cette personne le prend, mais ce sera long. Ensuite, ce que vous mettez en place dans cette relation, vous avez le chevalier de bâton. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une belle énergie, une énergie de fougue. Vous vous avancez. Vous avancez quoi qu'il arrive. Vous décidez d'avancer coûte que coûte sur vos projets, sur ce couple-là, sur vous-même. Vous avez le sourire, vous avez la détermination. Vous avez cette vie intérieure qui brûle à l'intérieur de vous. Peut-être que vous retrouvez aussi cette envie de vivre, de sourire à la vie et d'être déterminé. Vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre esprit. Ça va peut-être dans le début aussi de cet amour de soi, je ne sais pas, on commence peut-être. Et par rapport à la relation, surtout ce que vous mettez en place et que vous ajoutez du piment dans cette relation, dans cette vie de couple auprès de cette personne, vous avez envie de rajouter ce piment à l'intérieur. C'est vous le passionné de l'histoire ici, hein? On a un partenaire qui est encore un peu bloqué dans son mental. Ici, vous, vous amenez un peu de fougue, un peu de vie, un peu de désir, d'envie. Donc il y a un goût d'aventure avec ce chevalier, avec cette carte. Donc l'aventure, partir à l'aventure à l'intérieur de soi ou partir à l'aventure peut-être réellement. En tout cas, on sort de sa routine. Vous allez casser cette routine et c'est ce que vous allez mettre en place. C'est très bien. Le partenaire, ce qu'il met en place, on a la 6 d'épée. Ça, c'est super par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Alors, on n'est pas du tout dans la même ambiance que chez vous, où on est concentré dans le cœur, dans la fougue, dans la passion. Lui, là, il essaye comme il peut de se libérer de son mental, de ses pensées négatives. Et ce qu'il va mettre en place, c'est de quitter enfin cette situation qui, moralement, lui apportait que des problèmes. Alors, soit cette personne va dans le pardon, accepte, soit mentalement, cette personne décide de mettre en place cette transition et ce changement et de laisser ses tracas, ses batailles et surtout son gros passé derrière lui. Ça me prouve encore que c'est le passé. C'est le passé qu'il laisse derrière lui, ce partenaire. Donc,
Libération des schémas destructeurs, libération des mauvaises pensées, libération des peurs. Alors, ça se fait pas en un claquement de doigts, attention. On est qu'au stade de quitter une rive pour aller vers une autre rive, mais ça va être quelqu'un qui va pouvoir se projeter à nouveau vers le futur et plutôt, alors je ne dirais pas de façon apaisée, puisque comme on l'a vu, on n'est pas encore dans l'évolution extraordinaire, mais en tout cas, il va arriver à se projeter de nouveau un peu plus librement et un peu plus calmement. Et on termine avec la dernière carte qui représente l'évolution de la relation. Vous avez l'as, hop, l'as d'épée, si je dis pas de bêtises, oui, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, la compréhension, le partage, l'éclair de génie, l'idée lumineuse, on comprend quelque chose. On comprend quelque chose. Il y a une clarté qui se fait dans votre relation ou dans votre duo. Les choses deviennent tout à coup plus claires et beaucoup plus simples et beaucoup plus limpides. Ça, c'est super. Vous allez mettre en place un nouveau projet ou vous allez mettre en place une nouvelle situation de couple qui va être claire et authentique. Moi, là, j'ai vraiment un amour authentique. Et si un de vous ou les deux n'étaient pas sûr de ça, à la fin du mois d'avril, vous allez en être sûr. Il y a un véritable amour authentique ici chez vous. Voilà les Gémeaux, c'était un très joli tirage entre la douceur et la passion, le manque de confiance en soi et ici complètement dans les peurs et de quitter ici justement. Ces mauvaises pensées. C'était vraiment chouette. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Merci pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.